Bonjour à toutes et à tous, pardon. Aujourd'hui, on va faire... Attendez, hop, je vais vous dézoomer. Hop, là, je vais remonter un peu. Une chaussette chausson. Voilà, comme j'avais promis que je vous le ferais. Donc, voilà. Donc, pour faire la chaussette chausson, j'ai pris des pelotes de 50 grammes. Peut-être vous remonter un peu... Ouais, voilà, qui se crochette en... qui se crochette en 3,5. Donc c'est ces crochets que j'ai pris. Ouh, vous allez peut-être pas voir. Elle se lave à 30 degrés, pas de repassage, pas d'eau de javel et pas de pressing. Voilà. Donc, alors pour faire cette chaussette, elle est ultra facile. Ah, je vais voir si... Non, hop, au contraire, faut que je vous lève. Voilà, voilà. Donc, on va commencer par un cercle magique. On va faire des augmentations, 2 rangs d'augmentation, et après on arrête. C'est selon votre pied aussi, parce que moi je l'ai fait, j'ai les pieds gonflés, donc voilà. Je vous montrerai une petite photo qui va avec. Et après, on va faire 21 rangs de mailles serrées. Et après, 15 rangs de côte 1-1. Voilà. Et vous pouvez, hop, la retrousser comme vous voulez. Voilà, ça donne ça une fois retroussé. Voilà, ça c'est l'envers, hein, la démarcation c'est l'envers. Donc vous retournez la chaussette, voilà. Alors vous pouvez le faire avec n'importe quelle laine et du coton aussi. Donc on va commencer le tuto, le pas à pas, voilà. Par contre, pour que ça aille bien à votre pied, vous commencez à faire les allers-retours. Voilà, en maille serrée, il faut la monter jusqu'à la cheville. Et une fois que c'est arrivé à la cheville, parce qu'on n'a pas les mêmes pieds, hein. Il y en a qui ont des pieds fins, il y en a qui ont des pieds forts comme moi, parce que moi en ce moment, j'ai les pieds gonflés. Et alors, une fois que ça vous arrive bien à la cheville, on commence les rangs de côte 1-1. De toute façon, je vais vous montrer. Allez, on est parti. Et oui, je voulais vous montrer aussi. Il me reste ça de la pelote de 50 grammes. Donc, vous voyez, avec une pelote de 50 grammes, vous pouvez en faire une et commencer la deuxième. Voilà. Donc, moi, vu que j'en ai déjà fait une, on va faire la deuxième ensemble. Bon, je ne sais plus où ranger mes affaires. Voilà. Donc... Pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, allez-y, abonnez-vous. Ça coûte rien, c'est gratuit. Et moi, ça m'aide à progresser. Voilà, hop, je vous recadre. Alors, on va commencer à faire un nœud magique. Voilà. Dans ce nœud magique, nous allons faire 8 mailles serrées. Et n'oubliez pas, j'ai pris le crochet 3,5. Hein. Allez, on est parti pour 8 mailles serrées. Alors, une place ma table. C'est une table en verre et toutes les saletés viennent dessus. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une fois qu'on a fait les 8 mailles, on serre le cercle magique. Et ça, on va garder pour faire le nœud à la fin, vous verrez. Alors, on pique dans la première maille et on finit par une maille coulée. On va chercher un peu de laine. Ensuite, voilà. On fait une maille en l'air. Et à l'intérieur de la même bride, ah bah ça y est, je comprends les brides et les mailles serrées, c'est pas possible ça. On fait 2 mailles serrées. 1 et 2. La maille suivante, on fait 2 mailles. on fait les augmentations. Donc ça fait 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. On doit avoir 16 mailles serrées. Ensuite, on pique dans la maille, une maille en l'air, et là, on va faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Allez, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, donc voilà. Alors tout à l'heure je vous ai dit 21 rangs. Non, 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 c'est pas 21. C'est 31, je suis désolée. Oui, là vous voyez, ça s'est un peu élargi. C'est normal, je l'ai essayé. Donc voilà, ça m'arrive très à la cheville, impeccable. Donc maintenant, on va commencer les côtes 1-1. Donc, prévoyez un marqueur de rang. Voilà. Et là, on va faire 15 rangs de côtes 1-1. Ça veut dire une bride à l'endroit, une bride à l'envers, mais je vais vous montrer. Enfin, c'est plus pour les débutantes hein, que je dis ça, parce que les confirmés... Donc on fait une, et deux, et trois mailles en l'air. Et on repique. Voilà. Là, on va faire tout un rang de brides normales. Oh, pardon, excusez-moi, j'étais partie, je reviens. Voilà. Et là, après, on va travailler... en spirale. Donc voilà. Donc normalement, si le compte est bon, vous avez 28 brides. Si vous en avez une de plus, vous la diminuez. Si vous en avez une de moins, vous en rajoutez une. Mais il faut en avoir 28. Et vous pouvez faire en toutes les tailles, hein, pour enfants, adultes, hommes, bah oui, adultes, oui, adolescents. Donc, là, on va faire les... de brides tout à fait normal. Voilà. Par contre, eh ben, je vous dis de compter, mais moi j'ai oublié de compter, évidemment. Voilà. Mais bon, normalement je devrais avoir le compte. Donc, normalement, c'est celle-là. On va voir. Je vais compter. Si j'en ai une en trop ou une en moins. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28. Et voilà. Donc, là, pour commencer... vous allez piquer en dessous la bride. Voilà, hop, comme ça. Prenez le fil et on va faire une et deux mailles en l'air. Et là, pardon, vous la marquez. C'est le début de votre rang. Bon, bah si elle veut, parce que des fois ça veut pas. Voilà, mais comme c'est moi qui commande, voilà. Bon, il ne va pas se faire, mais voilà. Donc là, on a déjà fait la première maille. Bon, ça veut pas aujourd'hui, hein. Ça veut pas, hein. La première maille en relief à l'avant, voilà. Ensuite, hop, on passe, on fait un jeté sur le crochet, et là, on passe derrière la bride, voilà, et on fait une bride, voilà. Et là, on va faire une bride par l'avant, une bride par l'arrière. Et on va faire 15 rangs, comme ça. Enfin, c'est si vous voulez hein, faire 15 rangs. Hein. Moi, je les ai fait pour pouvoir avoir un petit rebord. Et par contre, vous inquiétez pas si le chausson est trop serré. Mais vous savez que la laine, ça s'élargit. Au fur et à mesure, ça va se détendre. Donc après, par contre, vous aurez bien chaud aux pieds. Hein. Bon, j'ai fait quoi? Parce que vous pouvez la faire avec de la grosse laine. Hein. Déjà, celle-là, ah, elle est déjà pas mal. Elle est déjà bien épaisse. Pardon. Allez, hop. Je vais faire un ou deux rangs avec vous. Et après, je vous laisserai travailler et on se retrouvera après. Voilà. Parce que une bride à l'endroit, une bride à l'envers, je pense que vous savez faire. Hop. Mais là, vu qu'on travaille en spirale, il faut que je vous montre. Voilà. Celle-là, on la fait pas parce que sinon, ça va faire un décalage. Parce que... Voilà. Donc là, on prend le crochet, un jeté sur le crochet. On prend la bride par l'avant. Hop. Ah, elle veut pas. Voilà. Et là, surtout, n'oubliez pas de la marquer. Ça, en fait, c'était les trois premières mailles que j'avais commencé le rang hein, de tout à l'heure, mais fallait pas les compter. C'était pour consolider. Voilà, on prend un peu de laine. Donc voilà, là, on a commencé à travailler en spirale. Et là, hop, on refait la bride à l'envers. On fait la bride à l'envers, la bride à l'endroit, la bride à l'endroit. Et ça, on va le faire 15 fois. Bah, si vous voulez le faire plus, vous le faites plus. Mais je trouve que 15 fois, c'est déjà bien pour avoir un joli petit revers. Donc voilà, on arrive au dernier rang. Donc je fais le dernier rang avec vous. Voilà. Je mets le marqueur. Parce qu'après, il y a une petite subtilité à faire. Vu que ça a été fait en spirale, je vous montrerai. Hop. Mais je pense pas que ça se voie beaucoup. Voilà, c'est le dernier rang. Voilà, on arrive à la fin. Et voilà. Et là, comme vous pouvez constater, il y a un petit écart là. Et bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une maille coulée, deux mailles coulées et trois. Et trois mailles coulées. Et vous voyez, là, il n'y a plus beaucoup d'écart. Ensuite, on coupe le fil. Hop. Je fais une, deux mailles en l'air, hop, et je serre bien. Je vais chercher mon aiguille à laine, en voilà. N'oubliez pas de rentrer le fil aussi à l'intérieur hein, du bout là, moi je l'ai fait. Hein. On passe dans la matière, on va faire un petit nœud, hop, il se voit pas, on passe derrière, et hop, on va passer dans les mailles pour resserrer, pour pas que le fil s'en aille, voilà, et on va faire un retour, voilà. Par contre, si vous voulez que ça soit des petites chaussettes et que vous voulez pas que ça glisse, vous pouvez mettre des comment ça s'appelle, j'avais ça moi, des fils élastiques blancs à l'intérieur des côtes, comme ça, ça ne tombera pas. Hop, et voilà. Donc voilà. Les deux chaussettes de fête. Bon, il y en a une qui est plus longue que l'autre, c'est normal parce que je l'ai essayé. Mais comme je vous dis, regardez, hop, la laine, ça s'étire. Voilà. Et là, hop, vous pouvez retrousser, voilà, votre chaussette ou votre chausson, comme vous voulez. Et en dessous, pour pas que ça dérape, si vous avez un pistolet à colle, vous pouvez faire quelques petites pointes. Comme ça, ça sera antidérapant et pourrait marcher très bien avec. Et sur le côté, non, de ce côté-là, vous pouvez mettre un bouton, un ruban, une petite fleur. Voilà, il y a le petit tuto de la fleur que je vous avais montré. Donc, vous pouvez faire une petite fleur et la coller, ou la coudre, hein, c'est comme vous voulez. Bon, ben voilà, sur ce petit tuto, j'espère qu'il vous aura plu. Moi, je vais vous laisser, je vais vous faire des gros bisous. Surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez, c'est gratuit. Et moi, ça m'aide à progresser. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis au prochain tuto. Bisous à tous.